Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et dans cette série de cette chaîne, je vous propose de faire soit des exercices méditatifs ou des exercices de Qigong pour renforcer vos énergies. On va voir aujourd'hui comment renforcer son énergie du métal, c'est-à-dire la sphère énergétique du poumon, et du gros intestin, puisque le gros intestin fait partie justement de la sphère énergétique du poumon. Ces exercices peuvent être faits lors des saisons qui correspondent à chaque élément, sachant que le métal, c'est l'automne, donc c'est des exercices qu'on peut pratiquer en automne, mais ce sont également des exercices qu'on peut pratiquer pour réguler ses énergies et ou les renforcer quand on en a besoin, par exemple quand on a des atteintes au niveau du poumon, qui peuvent être rhume, grippe, bronchite, etc., ou au niveau du gros intestin, tout ce qui peut être des problèmes de gastro-entérite, donc des problèmes qu'on rencontre souvent en hiver. Et justement, quand on a renforcé ses énergies du métal en automne, ça permet de ne pas tomber malade en hiver. Mais si jamais on tombe malade et qu'on a besoin de renforcer ses énergies, ces exercices-là sont extrêmement utiles. Alors, il y a beaucoup d'autres trucs magiques ou d'autres explications ou des recettes que je peux vous donner pour renforcer les différentes énergies. Pour ça, le mieux c'est de s'abonner à la chaîne et puis ensuite d'aller voir dans l'onglet playlist, et dans l'onglet playlist vous verrez il y a la série médecine chinoise, truc magique, manger selon le Tao, gérer ses émotions, et à chaque fois vous aurez des astuces, des explications nécessaires pour comprendre vos différentes énergies, permettre de comprendre le langage du corps, le langage des énergies, et puis se rééquilibrer, se soigner avec tout ça. Donc, pour ce faire, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ou à la fin de la vidéo, en cliquant sur le logo du Centre Tao, sur le template qui s'affiche. Et puis, j'en profite avant qu'on voit ensemble cet exercice pour réguler l'énergie métal. À la fin de chaque vidéo, vous pouvez, en cliquant sur le bouton « Télécharger le bonus », télécharger des e-books de recettes taoïstes, de manières de réguler ces différentes énergies, ou alors, dans la première saison de cette chaîne, j'avais vraiment mis à votre disposition beaucoup de documents complémentaires, différents, des recettes aussi, pour que vous puissiez tout réguler vos énergies. Tout ça, c'est gratuit. Et c'est donc en vous abonnant, en cliquant sur le bouton télécharger le bonus, en fouillant un peu dans toute la chaîne que vous aurez accès à toutes ces données. Alors, quel exercice va-t-on faire pour pouvoir réguler l'énergie métal? On va, comme quand, chaque fois quand on fait du Qigong, travailler sur le méridien associé à la sphère énergétique. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'on va mobiliser les bras. Au niveau des bras, le méridien du poumon va passer à l'intérieur ici, côté pouce, ok, et le méridien du gros intestin, lui, il passe le long du doigt. C'est yang, donc ça va être beaucoup plus sur l'extérieur du bras, alors que les méridiens yin sont à l'intérieur. Le poumon, c'est l'organe, c'est yin, ce sera plutôt à l'intérieur du bras, et le gros intestin, c'est yang, c'est l'entraille, ce sera plutôt à l'extérieur du bras. En tout cas, en joignant le pouce et l'index, on va rejoindre le méridien du poumon et le méridien du gros intestin. Donc, dans le renforcement de l'énergie métal, ce mouvement où on connecte le pouce avec l'index, il est fondamental. L'exercice que je vais vous proposer, c'est l'exercice d'apprêter l'arc pour tirer la flèche. Donc il va être assez facile à reproduire parce qu'il va falloir s'imaginer qu'on apprête son arc et qu'on tire la flèche. Quand on fait un exercice qui va être statique, comme beaucoup de choses que je vous propose pour faire que vous puissiez vous concentrer sur ce que je vous dis, en général, je vous fais visualiser une couleur, je vous fais dire le son thérapeutique, parce que une couleur, il y a une énergie, et un son, il y a une énergie, et que les sons et les couleurs qui se réfèrent au métal entrent en résonance avec la sphère énergétique du métal, et donc c'est ainsi que ça va avoir une action sur votre énergie poumon et gros intestin. Hein, le mouvement le long des méridiens, visualiser la couleur,
y aller avec le son, c'est cet ensemble-là qui va participer au rendement de l'exercice. On ne faut pas simplement voir un mouvement. C'est tout ce qui va se passer dans la tête, tout ce que votre chaîne, c'est-à-dire votre esprit supérieur, votre conscience, tout ce que votre chaîne va pouvoir apporter à l'exercice qui va être efficace. C'est pour ça que j'aime bien vous donner des notions avec des exercices statiques pour que vous puissiez travailler en conscience et pas simplement en vous concentrant sur un mouvement. Alors, on va le faire donc toujours de façon statique. Quand on fait de façon statique, c'est les pieds bien ancrés au sol. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'avant de commencer l'exercice, j'aime bien vous faire transférer le poids du corps sur l'avant et l'arrière des pieds, et puis sur l'extérieur d'un côté et de l'autre, souplement, et puis en faisant des petits ronds, où vous partez des talons, vous passez sur les côtés des pieds sur l'avant, hop, d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est le genre de rituel qui permet de se préparer à l'exercice. Si vous voulez d'autres informations complémentaires, dans cette série, il y a une vidéo pour bien comprendre comment se positionner, comment se préparer à des exercices de méditation, quelle posture prendre. Ok ? Fouillez dans la chaîne. Une fois que vous avez fait le tour, vous vous recentrez et vous vous immobilisez quand vous vous sentez bien centré. On plie un peu les jambes pour se sentir bien placé. Le bassin en rétroversion, c'est-à-dire que le haut du bassin, la crête iliaque ici, on la recule pour ouvrir le dos et qu'il soit bien droit. On rentre légèrement le menton, on regarde à peu près 2 mètres devant soi au sol, on relâche bien les épaules, on respire. Ça, c'est la position qu'on va prendre pour faire l'exercice. Maintenant, je vous explique l'exercice et on le fera ensemble après. Alors, on va apprêter l'arc. Ah, on va commencer avec le bras. Alors moi, je suis bras gauche, mais comme on le fait en miroir, pour vous, c'est le bras droit. Hein. Donc, c'est le bras droit qui va partir devant. Et on va garder le pouce et l'index connectés et les 3 autres doigts repliés. Dans l'autre main, c'est comme si on tirait l'arc. Donc, c'est les doigts repliés et le pouce dessus. Tout simple. Le mouvement sera ça. Et on va relâcher la flèche. Tchac. On redescendra et ensuite, on le fera de l'autre côté avec le bras gauche. Donc, pouce et index gauche, les 3 autres doigts repliés, la main droite, les 4 doigts contre la paume des mains, le pouce par-dessus, et on va apprêter l'arc et lâcher la flèche, et relâcher. On le fait ensemble, hop, tchlac, et hop, tchlac, encore une fois, hop, tchlac, et hop, tchlac. Ok ? Bon, ça, c'est le mouvement. On le fera de façon plus souple. Hein. C'était juste pour vous faire comprendre comment tient la main, comment tient le pouce, l'index, etc. Maintenant, on va faire marcher notre tête. Quand on va inspirer et apprêter l'arc, on va visualiser une énergie blanche qui vient à l'intérieur de nous. Et quand on va décocher la flèche, cette énergie blanche, on va l'évacuer par le bras, par la flèche qui s'en va, mais on va l'évacuer avec, comme si c'était une énergie blanche qui portait toutes les toxines. Alors, j'aime bien prendre dans ce genre d'exercice l'exemple du film La Ligne Verte. Je crois que tout le monde l'a vu. Donc, dans La Ligne Verte, quand le gars, il récupère les toxines d'une personne malade, on le voit qui expire. Et quand il expire, c'est comme du sable qui partait. Il évacue toutes les toxines, là. Eh bien, j'espère que vous avez vu le film, comme ça, ça vous permettra de bien voir ce que je veux vous dire. Vous inspirez, vous ramenez cette énergie blanche au niveau des poumons, et quand vous l'expirez, qu'elle part avec la flèche, vous imaginez que vous crachez tout, comme du sable, toutes les toxines qui peuvent être en vous. Et en même temps, vous faites le son du poumon. Le son du poumon, c'est tss. Mais je le fais tss comme ça, parce que je suis en train de vous dire, on élimine les toxines, etc. Je me pose, Isabelle, pose-toi, je me pose. On va faire tss, tss, ok, tss, avec toute cette énergie, ces toxines qui partent. Je m'emballe, hein.
Mais j'aime tellement ça parce que ça fait tellement du bien quand on le fait. Et quand on le fait avec cette conscience-là, c'est tellement libérateur. Faites-le, puis après, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si, quand vous le faites, vous arrivez à bien sentir ce et ce pshra, comme dans la ligne verte. Ok ? Alors, on le voit ensemble une fois pour du beurre, et puis après, on le fera ensemble trois fois. Les jambes légèrement fléchies, bien ancrées dans le sol, le bassin en rétroversion. On tient son périnée, on rentre son nombril, on descend ses épaules, on place son dos, on regarde devant. Une fois pour du beurre, on inspire. On prépare l'arc, lumière blanche, on décoche la flèche, on revient, on inspire. On prépare l'arc, la lumière blanche dans les poumons, on décoche la flèche, on relâche. Ok ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Prêtes ? On va y aller ensemble ? Jambes fléchies, ancrées dans le sol, périnée, nombril, tchlac, hop, ça devient un réflexe. On respire, on est bien. On se prépare. On se pose. C'est parti, inspire. Prépare l'arc, lumière blanche. L'autre côté. Donc, nous le filmons trois fois à droite, trois fois à gauche. Alors, il y a une chose que je tiens à vous dire qui est très importante. Il y a donc des choses que je vous décris, des choses constantes au niveau du Qigong, puisque les méridiens, les sons, les couleurs associées à chaque fois à une sphère énergétique sont universelles. C'est les préceptes de base, on ne va pas réinventer la roue, c'est ainsi. Après, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi, faites des études complètes de médecine chinoise, on est d'accord. Mais ensuite, il y a la façon dont chacun va le faire. Chaque personne est une énergie, a sa propre énergie. Chaque personne va le faire selon son propre feeling, c'est-à-dire selon la façon dont l'énergie passe en elle et rencontre son énergie à elle. Donc, il est complètement inutile de vouloir copier précisément la façon dont un maître de Qigong ou un autre maître fait son exercice. Moi, j'ai eu un maître de Qigong qui était le meilleur maître possible parce qu'il me disait, quand tu le fais et que tu le fais à ta façon, c'est la meilleure façon qui soit, plutôt que de devenir une espèce de robot qui ne fait que reproduire un geste. Ce qui compte, c'est d'avoir compris ce que je vous disais par rapport au pouce, à l'index, à la circulation des énergies, à cette couleur, à cette évacuation de toxines. Mais ensuite, c'est de se laisser porter dans le mouvement selon vos propres énergies et les énergies qui circulent de l'extérieur, mais qui viennent en vous. Ça, c'est le plus important. Lâchez-vous. Le Qigong, c'est tout sauf quelque chose de raide, de rentrer dans des cases. Il y a la compréhension et ensuite, on y va, on se laisse porter et go. Ok ? Alors, dans la prochaine capsule, on verra encore un autre exercice de Qigong. Là, on va réguler la sphère énergétique de l'eau. Il y a donc plein d'autres vidéos que vous pouvez fouiller. Pensez à partager aussi ces vidéos en cliquant sur la flèche partager et en faisant un copier-coller du lien pour le partager à un maximum de monde. Répandons
tout ce qui est possible au plus grand nombre possible pour que chaque personne soit mieux dans sa peau et soit mieux en accord avec l'univers, puisque le monde est énergie. Travaillons nos énergies. Et puis, téléchargez, abonnez-vous. Si vous voulez m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Mon site, c'est www.centre-tao.com pour en savoir encore un peu plus sur la médecine chinoise et le taoïsme. Allez voir les formations que je vous propose pour aller plus loin avec moi. Et on se retrouve donc à la prochaine capsule pour réguler l'énergie de l'eau. Ciao, ciao !